suis à 94%, mec. Oh, ok, presque. Presque. Tellement presque. Tellement presque. Ok, allez, j'ai bien économisé plein de thunes. Oh. C'est le moment de faire monter l'XP. J'étais à 9000 avant de l'acheter le truc, je suis trop content. Maintenant je me dis, à partir du moment où je dépasse 8000, j'en achète un. Oh là là. Chaque et session tu te dis un autre truc, c'est marrant hein. Non, 8000. J'ai dit 8000 la dernière fois, non? Maintenant je me dis, ça va marcher comme ça. Non, j'avais dit 8000 la dernière fois, je suis presque sûr. Je vous jure. Je suis sûr à 75%. c'est bien 75. Bah ouais, c'est bien, c'est plus que 10. Bon score, hein. C'est pas mal. Bon, vas-y, la question, la question. Oui, en cas de conflit, voir quel type comment d'indice, as-tu plutôt tendance à réagir? Tu as plutôt tendance à te renfermer dans ton coin et à laisser les choses te ronger. Tu as plutôt tendance à dire ce que tu penses sans prendre de pincettes, que ça passe ou que ça casse. Tu as plutôt tendance à essayer de trouver un compromis pour que chacun soit satisfait. Ou tu as plutôt tendance à ne pas lâcher l'affaire tant que l'autre n'aura pas dit que tu avais raison. Plutôt 4. C'est bien. Ouais. Comme ça, les gens vont dire oui, oui, t'as raison, mais ils en penseront pas moins, quoi. Exactement. Une maison à la campagne. Pardon. Comment décrirais-tu tes vacances parfaites? Une maison à la campagne, entourée de tes proches, tes plus proches amis. Une villa avec une piscine sur une île paradisiaque, entourée de mer turquoise. Un voyage culturel dans une grande ville cosmopolite, type New York, Londres ou Paris. Un road trip en van aménagé autour des États-Unis. 3. Très bien, la suite dans le prochain épisode. Quoique. C'est répondu. On a Marie. J'ai même un doute. J'ai les 3, mais j'ai pas trop écouté. Eh bah, tant pis pour toi. Voilà. Ton âme a écouté pour toi. C'est ton âme qu'on juge. Hein. T'as bien compris que ton corps est à la ramasse. Tchou. C'est très bien, mon corps. Est désiré par beaucoup de gens. C'est vrai, dont moi. J'ai même gagné 20 euros une fois. C'est le prix que j'ai eu pour faire une rédaction à un mec. En donné, on avait un test d'écriture et j'ai pris 20 euros et je l'ai fait avec. Comment tu fais? Je pense que ça parlait de ton corps d'ailleurs. Ton corps. Voilà, mais tu veux pas être tourné encore. Hein. Est encore. Certains. Quand même. On peut aller à la gare, ça risque de sauter. Ouais, mais c'est le plus proche aussi, non? Ouais. Sur la carte, ça a l'air en tout cas. Ah, cette présence animale qui nous correspond si bien. C'est vrai. Ah, c'est à l'ouest. Vraiment, j'ai chié la présence animale. Oh yes! Travers le nuage. Hein. C'est vrai que ça marche comme ça aussi. La gare est toujours là, mec. On peut prendre le deuxième. Si, si, c'est le 9. Pas un soin. Et si, un soin. Yes. Nice. J'ai le point. Et ça sera à la paroisse au sud-est. Sud-est, sud-est. Ok, fait. Oh.
C'est un zombie. C'était Yoyo. Bien. Quelques frames là. Oula, ouf, pas mal. Oh non. Oh non. C'est un peu trop calme. Vas-tu nous faire la fameuse scène? Je sais que c'est par là qu'on vient. Grosso modo. Ah, c'est l'araignée encore, punaise. Une abonnée ces derniers temps, l'araignée. Punaise, une araignée, on a dit. Voilà. Oui, c'est un abonnement complet. C'est l'abonnement rattraper ce boss. Oh le mec. Jamais, il l'a buté. Oh, t'as géré, hein. Je meurs. C'est excellent. Sans douleur. Enfin, rien. Pas pour nous. Surtout pour nous. Oh, joueur, ça. Joueur derrière ce truc-là, attention. Oula. Oh, je n'avais pas du tout vu, mec. On blitz, sinon on va se prendre un sandwich, hein, te rappelles? Ouais. J'ai pas trop envie, mais Je suis à côté de toi, mec. Ils sont dans la maison, là, ouais. Du coup. C'est ça? Ouais. Et on va... je monte à l'échelle, là. Ok, ok. Et après, discretos. Là! Yes! Bravo. Ah, j'ai entendu un eux. Bravo, yes, bravo, bravo, bravo. Oh oui. Félicitations. Oh, je ne suis que joie. Oh, je ne suis que joie. Ah, il y a une arme là. Okay. Oh, j'ai eu deux pénés, deux pecnos. Deux pénés, allez, la doublée. Je cherche une petite arme en bas quelque part. Je te rejoins pour le massacre. Bah, déjà là, j'ai fait deux coups, j'ai pas touché un seul. Content. Vraiment, on en est là. Je suis fait double croquer déjà. Je vais des mines. Super. Je vais mourir. Faut que je me soigne. Fuck. Tout va bien. Hein. Pour moi, moyen. Oh fuck, émulateur. J'ai besoin d'aide, hein. Ok. Oh, cool du son. Ok, nice. Ah oui, mais t'es encore plus haut. Hein. Allez, on vit au même endroit. J'ai pas trouvé d'armes. Ah. Curie, attention. J'ai sauté. Et t'as bien raison. Ok, nouveau tranquille. Ok, cool. Je me soigne un coup. Enfin, j'ai pas miné partout, mais à quelques endroits quand même. Oui. Chut.
C'est... Là, on n'est pas en combat, là. On est hors de la map. Dans ce petit hall. Petit hall. Ok, je sais pas si elle peut reprendre des coups de marteau, alors je vais y aller aussi ensuite avec le fond. Non, t'inquiète, je veux finir là. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui as fini, j'ai oublié. Viens de me rappeler. Alors elle est où, hein, en bas? Elle est... ici. Okay. Ah, bien sûr, juste devant une porte qui est pas... Quel plaisir. Ah mais je suis con, elle est pas bannie. Alors, elle est où? Elle est là. Il y a du soin là, si tu veux. C'est bon, je suis... Merci. Bon, mon pepper. Oui. Si t'as des munitions, je suis preneur. J'ai piégé les deux portes là, du coup. Okay. J'ai des munitions compactes ici, je sais pas quel type il te faut, toi. C'est des jaunes. C'est des portes partout. Il y a des pièges partout aussi. C'est la merde. La merde. Ça court. Ouais. Ça fait tout. Oh, ils sont là. Touché mais pas tué. J'ai complètement paniqué. Ils ont ouvert la porte là et activé le piège. Hein. Là, il tourne comme ça. Attends, chute pour toi. Descends avec toi. Ouais. C'est chaud, mon gars. Putain, je suis coincé. Je remonte parce que je suis coincé. Je peux pas. Bah, super. Je passe mon côté. Il y en a un qui est dans l'entrée dégueulasse où c'est pété. À l'ouest. En train d'enlever les pièges. Bravo. Il y en a un mort là. Non merde, je suis mort à coup de hache. Non, je suis bloqué dans le meuble. Ok, ça marche. Lui ce bâtard. Il est là. Il a couru ici. Dégage de ma propriété, mon gars. Pris la prime? Ouais. Check. Ok, il y a un mec là et un mec là-bas.
recharge mon silencieux. Je fais un check, hein. Yep. Ok. Il est là. T'as vu qu'un seul mec? Ouais. Bizarre d'ailleurs. Ok, il a bougé, il est là. Là! Yes, dans ton cul! Ah! Oh là là! Ce talent! Juste le fouiller. Ok, donc on part à l'est. C'est bon le chien? Ouais. Mais y'a quelqu'un contre les chiens. Ah. Bien. J'ai rien vu à 360. Ok. Au nord, ça c'est là. Le bateau de la rédemption, je check. Ah, pardon, putain. Ah merde. Enfin, j'étais en train de diriger mon doigt vers le bouton quand tu l'as dit. Et tu sais, c'est ce moment où ton corps a commencé à agir et tu feras jamais le contraire. Si tu peux laisser la dernière carapace là. Oh, vas-y, fais-toi plaisir, mon gars. Donne-toi bien du plaisir. Check, te commettre. Ah mon dieu! Un démon fangeux! Il est très fort, il esquive tous mes coups! Yeah, on a gagné! Troisième victoire! Bravo! Oh, oh là là, mais cette gâchette d'or! Ah, tu continues de tirer là? Non, moi je suis en écran de chargement là. Non, c'est toi la gâchette d'or. Ah, d'accord. Non, c'est toi? Non, c'est moi je tirais pas. Non mais pour tes ennemis, okay. Si t'as tiré à un moment donné dans ta vie. Okay. Ah oui, parce qu'en fait j'avais le bruit qui buguait et qui tirait en boucle pendant le camp de chargement, de quand tu tirais avant, c'est pour ça. Parce que le mec qui dit ça comme un statement, moi je ne tire pas monsieur, c'est contraire à mes convictions. Non t'as géré, tu m'arrêtes et tout. Voilà. Cool. Bah, mais t'en as eu un aussi. Moi bouche à bouche, hein, tu sais. Non moi je les ai touchés mais pas tués je crois. Ok. Ah tu es 4 gars. Moi j'étais l'épouvantail. 5000 XP, attends, je vais voir combien j'ai gagné. Oh, attends, j'ai une maîtrise déverrouillée. Oh. Ah, c'est le Nagant. Ah, j'ai trop dégagé. Ah, il y croyait. Oh, grave. Ouais, tellement. Et t'as combien, là? 56%, ça va. Ça quand va. Même, quand même. T'as 55 bon... avant, tu passes à 56, ouais, c'est pas mal. Ouais, un truc... Allez, deux petites parts. Cool, mais on a gagné. Oh, bravo. Je prends pistolero. Je n'ai rien à foutre. Ah voilà, ça j'aime bien. On va prendre quoi? Ou pas de seringue? Allez, serpent, hein? Ah pardon, non, c'est je sur les autres. Hein. Si, ah oui, des seringues, oui bien sûr monsieur, voyons. Parfait. Ça, et puis... ça, même si je crois que pour chier, c'est pas grave, c'était pratique. Ah, une bonne game on a fait là. Ah oui.
Oui, monsieur, oui. Quel est ton style de film préféré? Une comédie romantique, un film fantastique, un film d'horreur ou un thriller psychologique? Un film d'horreur. Et enfin, dernière question. Si tu étais un péché capital, tu serais probablement l'orgueil, l'envie slash la colère, la luxure slash la gourmandise, la paresse slash l'avarice. Oh là là, mais les quatre. Lequel me... Ah, vas-y, la colère. Alors, sache que tu te rapproches du personnage féminin de Carla dans la série Elite. Si tu étais un personnage féminin de série, tu serais Carla dans la série Elite. Comme elle, tu es quelqu'un de plutôt discret, mais qui dégage en même temps un charme et une aura incroyable. Ton côté mystérieux, indépendant et libre, ainsi que ton intelligence intrigue beaucoup les gens. Et lorsqu'on apprend à te connaître, on découvre quelqu'un de très sensible et de vulnérable. Voilà, mais t'as des scores quand même qui sont très... très partagés, quoi. T'as surtout du Carla, mais t'as un petit peu de Daenerys aussi. Voilà, sache-le. Ok. Bon. Daenerys de Game of Thrones. J'ai pas encore tout vu cette série. J'ai vu le premier épisode 3 fois. Parce que je l'ai vu à beaucoup de temps d'intervalle. Je ne peux que comprendre. On est sur le 1. Le 1, c'est le spectre. Le spectre. Oui. On peut aller à la fonderie ou au fort au sud, quoi. Tout est possible, tout peut se passer. Tout est réalisable. Le jeu de la V. Oui. T'es allé vers la fonderie ou au fort, là, du coup? Un peu des deux, hein, je t'avoue, j'ai pas décidé. Oh, le fort sera... Ah, c'est toi, j'entends. Bah vas-y, fonderie, c'est plus proche de moi. Je l'ai bien eu, cet Imomo. C'est toi le corbeau? C'était où les corbeaux? C'est pas, c'était de ton côté plus que du mien en tout cas. Bah le corbeau il a fait juste croix mais il s'est pas envolé. Il y a des corbeaux qui ont volé là par contre. On avait vu dans le ciel. C'était peut-être moi alors, mais j'ai pas fait gaffe. Parce que j'ai tapé un zombos à côté des corbeaux, mais je les ai pas entendus s'envoler. Ah bah j'ai peut-être pas fait gaffe. Il se passe des choses. Encore un mystère. Ah c'est, j'allais dire, y'a pas un coup de feu, ça me fait flipper, mais heureusement, les gens qui commencent à pétarader. Bah c'est pour toi qu'ils font ça, hein. Faut te rassurer. Ok, bon bah on va aller au fort, mais il y a des chances qu'ils disparaissent. Bon, c'est le seul qu'il y a autour de nous qui est encore là. Il y a des chances que ce soit au nord. Viens, on revient au nord, on retourne au nord.
C'est un gros coup de poker. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Un gros coup de poker. Au moins, l'avantage, c'est que s'ils prennent le boss pendant qu'on va au nord, on a les sorties à côté. Ouais. Là. Touché, mais pas abattu. J'en ai vu qu'un seul, par contre. Il y en a encore un autre au niveau de l'eau. L'autre arrive, ouais. L'autre arrive, ouais. Il fait le tour. Okay. Yes, oh, il est mort. Bien joué. T'as eu l'autre aussi? Ouais. Eh bien. Et ils allaient vers le nord aussi, donc eux aussi. Eux aussi étaient déçus. T'es déçu. Oh, ils avaient vraiment des armes de merde, le mec. Hein. Bon, bah, ça suffisait contre moi. Hein. C'est tiers Didi. C'est là. J'entends les corbeaux. Beaucoup de beaux choix ces situations. Mmh. J'aime bien aller plutôt au nord-est. Non, non, plutôt la sommerie au nord. Parce qu'il y a un wagon à côté, il me faut vraiment des munitions là. Attends. Il y a un truc. Non, c'était que les zombies. Ça t'amuse hein. Oui, j'adore. Les chiens, par contre. Nice. Ça va toi, ta vie? Je vais devoir me soigner. Mais... Okay. On va au nord, tu vas pouvoir te refaire. Caravane au nord. Bien, c'est une caravane! C'est ça que je vise depuis tout à l'heure. Joueur. Où ça? Là-bas, j'ai vu un mec courir. Au niveau de la maison blanche, tu vois. Là, tu vois là, la petite barrière, il courait vers le fond. Bon, bah, ils ont dû faire le boss ici. Bon, on se casse du coup. Ouais. Dommage. Ah, c'est là. Et fais-moi cette ruche. Oh oui. Et l'autre derrière aussi, hein. Choudoudou. Bon bah, on aura quand même eu l'XP des joueurs, là. Oui. Thank you.
Nice. Victoire. On a au moins eu 3 victoires, c'est pas mal. C'est ça. On a eu un petit peu d'XP en plus. Ouais. On n'est pas mort. On n'est pas greedy. Un groupe nous a rencontrés. On s'est rendu compte que t'existais sur la map. Ils ont couru comme des bœufs dans l'eau. C'était bien, c'était cool. Oui. J'ai eu grave peur un moment. Les mecs, c'est tellement concentré sur toi après. Heureusement que t'as gagné ton fight, quoi. Ouais, vu le temps que j'en ai. Non, mais après. Ah, on est plus ensemble, je crois. C'est pas ça. Ah, si. C'est bon. Donc, t'arrives. Faut que j'arrive. Oh, j'arrive. Ah, l'invitation a échoué. Peut-être que là, on a été séparés de nouveau. Oui, on est séparés. Oui. Séparés. Je ferai tout pour te retrouver. Oh non, sans toi, le temps est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. C'est un fusil à levier ou un fusil à Charlotte, ce truc-là? Un verrou, bon. Hey, c'est comme moi, je crois. On est tellement plein de points communs. Comme un hawk, c'est pour pas lancer les armes. Comme un gros purr. Entre ces fichus boss. Ouais. Ça, si l'araignée elle vole encore au plafond. Pour la défoncer. Je prends aussi témérité pour désamorcer les explosifs qui me viendront à la gueule, on ne sait jamais. Ça ne m'a jamais servi. Sur un malentendu. Non, jamais. Oui. Si tu pouvais devenir acteur, qu'est-ce qui te motiverait le plus dans ce job ? Goûter à tous les privilèges de la vie de star, ou te servir de ta notoriété pour une plus grande cause, ou connaître l'envers du décor et savoir comment une série se construit, ou faire de ta passion ton métier ? Faire de ma passion un métier. Dans quel genre de série aurais-tu envie de jouer ? Une série fantastique, remplie de pouvoirs magiques, une série policière avec une touche de glamour, un teen show édulcoré qui parlerait surtout d'amour, une série post-apocalyptique sur un fond de guerre. Le premier. Non, le dernier. C'est trop tard. Quel genre de rôle voudrais-tu avoir ? Un rôle de super-héros qui protégerait les innocents contre les méchants, un rôle de personnage fort, un vrai leader qui ferait en sorte que de rendre heureux son groupe, un rôle de personnage mystérieux et sexy, et de qui on serait attiré, tel un amant, un rôle de personnage faillible qui tenterait de se découvrir au travers des épreuves de la vie. Ah, le dernier, il est bien. À quel acteur aimerais-tu donner la réplique ? À Grant Gustin, à Elisa Taylor, à Camilla Mendez, à Tom Ellis. Je connais personne. Grant, je veux bien son nom, on va lire lui. Bien. C'est noté. Oh merde, c'est dans le. Dans le nid de pie. Le nid de pie. Ah oui. Qui est là. Une fois en partie rapide. On va faire du replay là-dedans. Hein ? Non, je peux le choper d'ici, on va faire ça. Balle. Merde. Je disais, tu pourras faire du roleplay, mais vu que tu le fais à distance, ça marche pas. Ouais. T'aurais pu aller dans le nid de pied et faire. Ça aurait été bien. Ouais, non, une fois j'ai snipé une meuf qui prenait un coin dans un nid de pied, du coup, depuis. Crémat ? Ouais. Non. C'est un non, monsieur. Non. C'est un non. Non. Il y a un pont sinon. Hein. Comment oses-tu parler d'un pont ?
Laisse monter le bestiaire. Un chien, un chien, un chien. Ça. Branche qui a craqué là. C'était sûrement rien, mais. Ah, je prends l'indice. Là... Okay. On peut aller au. Ok. Corbeau. Bonjour. Bestiole dans l'eau, c'est top. Balek. T'as pas entendu. Grâce à tes jambes d'alligator. C'est trop bien. C'est tellement bien ce truc. Ouais, ça a été. Il y a deux patchs, je crois. Deux ou trois patchs. Ah, peut-être. Mais c'est aussi bien que le présence animal. Hein. C'est. Je sais pas lequel. Ouais. Puis c'est le même patch, je crois, où présence animale est passé de 5 à 3 points. Ah oui. Excellent patch. Excellent patch, j'approuve. À distance, non. Ah oui, c'est vrai. Je le coupe en ce moment. Ok, cimetière. Cimetière, ouais. Je crois qu'il y avait certains coups de feu qui venaient de là-bas. Ok. Mais de la direction, en tout cas, après, je sais pas si c'est vraiment. Bon. Je t'accroupis aussi, je te jure. Mais dans toutes les eaux, quoi. Impressionnant. Ça grouille, hein. Là. Okay, nice. C'est bah, vite ça. On s'en fout. Quand même l'avoir. Attention, ils sont là. Là, là. Oh, ah non, je suis mort. Non, je t'ai touché, mec. Quand j'ai tiré. Ah oh, putain, tu m'as tué. Quand j'ai tiré, t'étais. Tu venais de passer devant là et. Oh. T'es atomisé la gueule. Oh, oh putain. Non. Trop moche. Genre j'ai l'impression d'avoir joué avec. Tu sais, les Stormtroopers de Battlefront 2 quoi. J'étais juste derrière moi. Putain. Bah j'étais derrière toi sur le côté quoi. Sauf que la situation se faisant. Bah t'as pas forcément notion que je suis derrière toi et. Moi ouais, j'étais en train de viser le mec. Avec le viseur, hein, donc avec la lunette. Donc, pareil, je voyais pas que t'étais venu. Bon, là, d'un coup, j'ai une grosse ombre qui arrivait quand j'ai cliqué. J'étais en mode non. Ah, faut t'as pas de chance, hein. C'est ce que je dirais quand j'arriverai dans la berline noire, là. Aller voir ta famille. Avec mon uniforme. Ne me dites pas que. Oh, j'ai tué, quoi. Oh, bah, là, faut t'as pas de chance, hein. C'est suicidé, une balle dans le dos. Élimination de coéquipier, j'ai perdu 500 points d'XP, non. Ah, t'as perdu de l'XP. J'ai un XP négatif. Ah là là, ça fait trop mal. Ah, j'ai perdu de l'XP, mais c'était un accident. C'est lui là, il s'est mis devant.
Tout d'un coup, le mec il est devenu trop méchant. Non, mais c'est lui là. Je sais plus. Moi, j'ai aucun moyen de savoir où t'es derrière moi, quoi. Ah. Mais 500 XP, le mec il affronte le match. Mais 500 XP là, oh ah. Dégoûte là, mec. Et bah, désolé, mec. Et d'habitude, je fais du soft throw. Je suis quand même gagné 10% avec l'arme en plus. Bravo. Je fais du soft throw, je fais du throw, mais je fais genre je me bats, tu vois. Là, c'était du hard throw. Là, je fais genre oui, non, t'es passé devant et tout. Non, j'étais clairement visé comme ça. Je pensais pas que tu pourrais être comme ça, finalement. Je vais peut-être finir ce jeu tout seul. Là, je suis allé sur le vocal, j'ai fait c'est bon, les mecs, c'est bon, je suis avec vous. Comment on fait pour le transfert d'XP maintenant?